Yo, bien ou bof? Bon alors, qu'est-ce que c'était pour quoi faire? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? C'était quoi, des vikings ou des victimes? Non, parce que là, j'ai pas très bien compris. Hein, parce que je sais pas, moi là, j'ai vu que des victimes hier soir, hein, j'ai pas vu de vikings, hein, Ils ont éclaté le stade de France, les bleus! Éclatage de stade, éclatage de vikings, de victimes. Je vais pas te dire tous les buts, il y a eu trop de buts, j'en ai rien à te fou. Bim, un but farci, bim, un but farla, et bim, encore un but farci, et bim, encore... Oh, punaise! Le stade de France s'est régalé, ils étaient tous contents. Pour la centième, le truc du siècle, le maillot là, le nouveau maillot, je sais pas, mon cul sur la commode. Eh ben, ils ont honoré les bails, ma gueule. Ah bah oui, il faut les féliciter, les bleus, quand ils assurent, hein, parce que quand ils trébuchent face à une petite équipe, là, il y a tout le monde. Ah là, il y a du monde, hein, pour traiter, hein, mais là, pour les féliciter, il y a pas grand monde. Moi, en tout cas, je suis content. Donc là, c'est qu'est-ce que ça fait que les bleus, là, ils sont en train de nous faire une qualification de l'euro en mode formalité, poteau. Et c'est ça qu'est-ce qu'il faut. Moi, chez moi. Des passes farcies, des talonnades farda. Ouh, punaise. Hey, on est champion du monde, ma gueule. Tu crois avec quoi, poteau? Bon, alors voilà, on a bien rigolé, mais Giroud phare, il faut qu'on en ouais, parle. Ouais, mais parce toi, que... avec Giroud, c'est toujours la même chose. Hein. N'empêche qu'en attendant, c'est quand même le troisième meilleur buteur de l'histoire. Ferme-la, toi, j'ai encore rien dit. Ouais, mais moi, chez moi aussi. Le buteur de quelle histoire, en plus? Le mec, il joue tous les matchs de la Terre, à chaque fois, il est titulaire, c'est normal. Il joue tous les matchs en entier, toutes les compétitions, il est jamais remplaçant. Et s'il est remplacé, c'est pas avant la 89e, il est jamais blessé. Il joue les matchs normaux, les matchs amicaux, même les matchs tropicaux, il les joue. Giroud phare, joue les marques, puis c'est ah ouais, tout. Mais en attendant, il a quand même réussi à marquer 35 buts. Hein. 35 buts, il est marrant, la Huiz. Si Benzema, il avait joué autant de matchs que lui, eh ben, il aurait déjà marqué dans les 972 000 buts à cette heure-ci. Moi, chier, moi. En plus de ça, le but de ton Giroud phare, c'est pas var. Il s'est servi de Giroud phare comme mur. Et il a juste fait ricocher. Et il s'était fait ses sprays. Moi, chier, il mettait juste son corps et puis c'était bon. Moi, chier, moi. Et d'ailleurs, les potos, vous allez me dire dans l'espace commentaire, avec quelle partie de son corps il a marqué ce but, Giroud phare? Non, mais oui, on a envie de savoir. J'ai envie de savoir, moi. Donc, petit 1, soit il a marqué avec sa couille droite. Et dans ce cas-là, non, sa couille gauche, je crois bien. Dans ce cas-là, on va l'appeler à partir d'aujourd'hui, on va l'appeler Giroud Bignol. Ou alors, petit 2, il a marqué avec sa zigounette. Son zizi, si tu préfères. Et dans ce cas-là, on va devoir l'appeler Zizirou. Ah bah ouais, on a envie de savoir. Alors dites-moi dans l'espace commentaire, les potos. Avec quoi il a marqué? Bref. Donc voilà, mis à part Giroud Bignol, je sais pas quoi là, eh ben il y a quand même eu de la maîtrise chez l'eau bleue, hein. On a eu droit à du beau jeu et ça fait zizir. On a tordu Viking Victim Land. Et comme je t'ai dit, tu peux appeler Ragnarok, Thor même si tu veux. Hier soir le marteau il était bleu dans ta gueule, voilà. Ouais, mais on est encore tombé dans un groupe très très faible. Ouais, comme à la Coupe du Monde. Ouais, mais c'était que l'Australie. Et le match d'après? Ouais, mais c'est que le Pérou. Mais ferme ta bouche d'égout, on est premier du peu groupe, il sait tout. Moi chier. Moi, t'inquiète pas, quand on aura gagné la Coupe d'Europe, t'iras fanfaronner sur les Champs-Élysées comme à chaque fois. Moi, chez moi. Voilà tout qu'est-ce que je pouvais dire sur ce match. Hier soir, on a eu une belle ambiance au Stade de France et nos bleus, nos champions du monde, nous ont régalé. Donc maintenant, avant de nous quitter, n'hésite pas à aller faire un petit tour sur mon YouTube, le lien est dans la description de cette vidéo. Tu visionnes d'une petite pub ou deux, comme ça me fera zizir. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fera zizir aussi, you know. On connaît les bails. Salut. Ah, c'est...